Bonjour, bienvenue dans 101%. Comme vous le savez, le vendredi c'est n'importe qui. Aujourd'hui c'est moi. On est le 25 mars, c'est le jour de la sortie de la 3DS. Donc il y a 13 jeux disponibles au lancement. Et on a décidé de vous passer un petit peu en revue, dans 101% un petit peu spécial, l'ensemble des jeux présents au line-up et de vous donner un petit retour critique. Donc nous on a passé genre là, une semaine, 10 jours sur l'ensemble des jeux. Certains sont arrivés hier à la rédaction, donc on a eu vraiment très peu de temps. Pourquoi en parler de cette manière-là, en live avec des interventions d'autres gens de la rédac? Tout simplement parce qu'on n'a pas reçu le kit de saisie qui nous permet comme d'habitude de capturer des images vidéo et ensuite de pouvoir habiller des critiques avec. Donc on a décidé quand même, pour vous faire un feedback sur les jeux, en gros si vous avez décidé de toute manière d'acquérir la 3DS, on va vous conseiller tout simplement les jeux qu'il faut avoir, sachant que ça va pas être forcément, on va pas être très sympa. Bon, vous allez voir ça. Et une petite précision également, on a eu quelques retours sur l'Extra Life où on avait invité quelqu'un du marketing de Nintendo, où on nous a reproché, entre guillemets, on m'a reproché, entre guillemets, de pas avoir été spécialement méchant donc avec le mec de Nintendo. Tout simplement parce qu'en fait l'idée sur cet Extra Life, c'était simplement d'avoir un retour sur la campagne marketing et donc du coup qui nous explique un petit peu son métier et qui nous explique en fait toutes les démarches en termes de promotion qui allaient être mises en place. Donc nous, notre boulot, genre à la rédaction jeux vidéo, c'est pas de tacler le marketing fait son taf, nous c'est de vous dire si les jeux valent le coup ou non et c'est ce qu'on va faire là tout de suite maintenant. Donc je vous annonce un petit peu le sommaire de cette émission. On aura donc un passage en revue des 12-13 jeux disponibles au lancement. On aura également un petit reportage de Médoc qui ira à la rencontre des gens qui achètent la 3DS sur plusieurs magasins. On aura également la rubrique animée classique et tout de suite les news. Lorsqu'il y a quelque chose d'étrange dans votre voisinage, qui est-ce que vous appelez? Certainement pas la rédaction de No Life. Désolé, mais avec le déménagement, on a pris un peu de retard. Pour tout problème, voyez avec les Ghostbusters. Sanctum of Slime, un shooter coopératif à la Dead Nation dont ils sont les héros, vient effectivement de sortir sur XBLA et PC et s'apprête à débarquer sur le PSN. Pour savoir s'ils sont aptes à régler vos divers problèmes de fluide, rendez-vous dans 15 jours pour notre critique flash. On continue avec ces deux spots diffusés un peu partout à l'occasion de la sortie de LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Une occasion supplémentaire de nous faire rire avec cet humour vraiment particulier, surtout dans le deuxième spot. When you see it, you'll shit bricks. Dave Johnson here. Et on termine ces courtes news placées sous le signe de la complète rigolade avec le dernier spot en date de Portal 2, dans lequel Aperture Science nous en dit un peu plus sur ces fameux panneaux. The planks of tomorrow. Fully configurable. Infinitely variable. Safe. Aperture brand panels will assist your test subjects every step of the way. That is not a panel. That's a crusher. We sell them too. On va commencer notre petit passage en revue des 13 jeux disponibles à la sortie de la 3DS par un jeu Nintendo, Pilotwings Resort. Donc on l'a reçu il y a très peu de temps. Donc t'as eu l'occasion d'y jouer également. Anne, est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de tes premières impressions? Oui, alors Pilotwings, moi je me suis dit, ah voilà, ça va être comme la... C'était mon premier jeu sur Super Nintendo, donc je me suis dit, bon, 3DS, premier jeu et tout, je vais essayer. Et voilà, on est en plein dedans, c'est-à-dire c'est extrêmement simple et épuré. Juste le gameplay, faut aller jusqu'au but, passer les anneaux et pof, rien d'autre. Effectivement, rien d'autre. Il y a juste les missions, enfin les 48 missions, plus le vol libre où voilà, à chaque fois on a envie d'avoir un meilleur score, que ce soit dans les missions, etc. Mais il n'y a pas grand chose qui se débloque, certes, voilà, on a par exemple l'avion qui va se transformer en jet, ou après les missions en jetpack, où ça va se transformer en écureuil volant et le dataplan. L'écureuil volant, c'est une mission du mode défi. Voilà. On ne sait pas encore si dans le mode libre on aura l'occasion en fait de l'essayer, mais par contre on débloque un super jetpack. Oui. Et avec le deltaplan, on débloque une sorte de deltaplan pédalo. Donc on a 6 véhicules en tout qu'on peut utiliser librement en mode libre. Voilà. Par contre, bon, on n'a plus Parachute qui était la version Super Nintendo. Alors, sinon, pour ce qui est de la 3D, c'est vraiment très bien fait. On a vraiment le personnage qui se détache, ainsi que tous les éléments qui sont autour. Mais comme on a tendance à vraiment se concentrer pour savoir où on va passer,
Au bout de 10 minutes, je commençais à avoir mal aux yeux. Donc voilà, toi, je sais pas, peut-être un petit pareil, peu plus longtemps. Pareil, mais... c'est bon. En plus, c'était en fin de journée, donc j'ai pas mal joué, genre d'affilée. Clairement, on accroche assez facilement sur le gameplay. On essaye tout de suite de faire genre du perfect, de scorer un maximum. Mais ça fatigue. Donc au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on coupe la 3D, on revient à un gameplay 2D et ça marche tout aussi bien. Ce que j'ai fait, j'ai joué en 3D 10-15 minutes et puis après tout en 2D pendant 2 heures. Quoi, donc les petits reproches tout de suite là, qu'on peut faire, bon, en effet, c'est un peu court, mais on pourra passer énormément de temps dessus pour les gens qui veulent faire du perfect. Pas de multi, que ce soit en Wi-Fi ou online, pas de street pass. Donc ça, c'est hallucinant. Donc on peut prendre des photos, mais on ne peut pas les partager. Nos scores, on ne peut pas également les partager automatiquement avec ses amis. Donc ça, c'est un peu bizarre pour un titre de lancement. Ouais. Et on se dit, ça fait un peu quand même démo. Et c'est un jeu qui aurait dû être donné avec la console, un petit peu comme... Oui, comme les effets avec Wii Sport, exactement. Donc ça, c'est un peu décevant. Ensuite, le gameplay, clairement, il est là et on s'amuse beaucoup avec. Donc voilà. Bon, maintenant, on va continuer notre petit tour des 13 jeux disponibles à la sortie de la 3DS. Tout de suite. On continue avec les jeux Nintendo avec Mathilde et avec Nintendox plus 4. Toi, t'avais joué, bon, moi, c'est pas complètement mon type de jeu, même si c'est clairement super bien foutu. T'avais énormément joué au premier jeu, donc à la version DS. Est-ce que tu peux nous faire part de ton ressenti après avoir joué pas mal là sur 3DS? Bah, en fait, là, le nouveau jeu, là, il est vraiment super par rapport à l'ancien, beaucoup plus complet, beaucoup plus réaliste. Alors, pourquoi plus réaliste déjà? Bah, alors, pour donner un exemple, par exemple, la reconnaissance vocale. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vas donner un ordre à ton chien, il va s'arrêter, il va écouter. Et après, il va agir. Et ça, c'est super réaliste. C'est comme dans la vraie vie. Alors que l'ancien Nintendogs, genre, il écoute même pas. Il le faisait directement, en fait. Donc ça, c'est ce côté réaliste. Par exemple, pour dresser ton chien, maintenant, il faut genre utiliser des friandises pour lui faire faire... Genre pour le faire le coucher ou genre lui faire faire le beau. Alors qu'avant, il y avait juste à tirer avec le stylet. Okay. C'est ça, en fait, ce côté réaliste. Et la 3D relief, alors, qu'est-ce que ça ajoute au final? Genre, ton chien, il est mieux foutu? Tu te l'appropries mieux? Sincèrement, ça sert pas à grand-chose. Toi, t'as joué avec la 3D ou tu l'as coupée? En fait, j'ai joué pendant 10 minutes avec la 3D. Ouais. Et tout de suite après, t'as envie de couper parce qu'en fait, tu te rends compte que tu es de la profondeur ou pas, ton chien, il fait la même chose. Est-ce que ça te fait mal aux yeux? Est-ce que ça te fatigue? Oui. C'est très, très fatigant. Alors pour le coup, moi, je l'ai moins ressenti que sur un Pilotwings Resort, par exemple. Donc, Pilotwings, en fait, ça nécessite une bonne concentration. Alors que là, tu vois, très souvent, on est en écran fixe avec juste le chien qui se balade dans une pièce. Ouais. Donc, moi, ça m'a moins perturbé. Ouais, moi je trouvais que c'était un petit peu gênant parce que justement la caméra des fois suit le chien un peu partout et au bout d'un moment, je trouvais ça assez fatigant. Ouais. Alors qu'en est-il des petites fonctionnalités type Street Pass, etc. Je crois qu'il y avait d'autres gens, donc comme vous le savez là en ce moment, plus pour très longtemps, on est à côté de la rédaction de Gameblog, donc du coup qui joue aussi avec la 3DS, avec Nintendo Plus 4. Et je crois que tu as rencontré par exemple Julien. Ouais, et j'ai son rencontré chien. Julien Chiez lors d'une petite promenade, c'était rigolo. Il m'a donné une rose. Oh, c'était mignon. C'était gentil. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a beaucoup de choses en plus aussi au niveau de la promenade et le podomètre, justement. Tout à fait, c'est pris en compte. Voilà, pareil. Bon, après, je ne sais pas exactement, il faut que je vérifie, mais j'ai remarqué que quand on met donc la console en veille, on fait énormément de pas, genre on marche dans la rue, et ben, ça débloque beaucoup de choses aussi. En plus, genre, on a des cadeaux assez conséquents, plus on fait de pas. Je crois que tous les pas en fait, que tu fais, genre toi, dans la réalité, ça compte aussi pour le chien. Voilà. Donc à partir du moment où tu as activé le Street Pass dans Nintendo Plus 4. C'est ça. Et ça, c'est très très bien, c'est nouveau. Et on peut aller maintenant se balader à la montagne, à la mer, en ville, dans des cafés. On peut faire beaucoup plus de choses. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, a priori, t'as été pas mal séduite par le jeu. Ouais, moi qui ai beaucoup joué, ouais. Alors, tiens, j'ai adoré celui-là. Je pense que c'est ça, en fait. Nintendo Plus 4, donc c'est clairement une version un petit peu 1.5. Ouais. D'après ce qu'on a pas mal vu, etc. Genre, le chat est un petit peu gadget bonus, mais quand même, sa présence permet de varier un petit peu les choses. Mais clairement, ça va toucher le public visé. Ça marche très bien. La réalité augmentée est également utilisée. Donc, on a la possibilité d'avoir son petit chien-chien dans la main, de l'avoir dans son salon, etc. Donc, ça marche plutôt bien. Et c'est un jeu qui, contrairement à Pilotwings Resort, exploite justement les petites fonctionnalités spécifiques de la 3DS. Et ça, c'est pas mal. Donc, si vous aimez ce type de jeu, si vous avez une petite sœur ou si même vous kiffez de toute manière les chiens, allez-y. Je pense que ça, vous pourrez pas être déçu. On enchaîne avec les jeux Ubisoft juste après. Alors, 4 titres Ubisoft sont disponibles ce 25 mars, 4 autres suivront vendredi prochain. Donc, les 4 premiers,
clairement, il y a trois conversions 3DS et ensuite un titre réellement original. Donc on va commencer par Splinter Cell 3D. Splinter Cell 3D, c'est tout simplement l'adaptation de Chaos Theory, donc qui était un très très bon jeu, un très bon Splinter, bien plus pointu, moins action que l'est le tout dernier volet. Alors malheureusement, sur la version 3DS, même si ça exploite plutôt bien l'écran tactile, également le gyroscope avec la possibilité, par exemple, lorsqu'on utilise son le petit truc optique pour aller espionner sous une porte, on a juste à bouger comme ça la console et on peut déplacer en fait sa vue. Donc il y a plein de petits trucs comme ça bien foutus, mais par contre, il est moins beau, le level design est sacrément étriqué. Il y a un truc qui avait saisi à l'époque, c'était la qualité des textures. Là, on se retrouve avec un environnement super pauvre, etc. C'est extrêmement décevant pour les gens qui ont joué au Chaos Theory original sur Xbox. Donc voilà, celui-là, honnêtement, on ne le conseille pas. On a également un autre titre qui est sorti, c'est Asphalt 3D, qui est un jeu de caisse qui est en fait un développé par Gameloft et qui existe. C'est une longue série, je crois qu'ils en sont au sixième volet sur un téléphone portable. Et là, pour le coup, bon, Gameloft, c'est un peu leur spécialité. Ils font des clones de jeux existants. Là, en l'occurrence, c'est un clone de Burnout. Même si ça joue au final un peu comme Splinter Cell, les collisions sont catastrophiques et c'est ultra classique, pas spécialement beau. Donc, on vous conseillera plutôt Ridge Racer, mais on y reviendra plus tard. Et on va enchaîner maintenant sur Rayman 3DS et avec Pierre. Alors pour parler du troisième portage Ubi, je suis avec Pierre qui fait actuellement un stage à No Life et qui du coup, ça tombe bien, était un peu fan de Rayman et de Rayman Revolution que tu avais pas mal fait sur PlayStation 2. Et ce Rayman 3DS est un remake, une conversion 3DS. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu ton feedback sur le jeu après l'avoir essayé pas mal ? Tout à fait. Alors en fait, je fais partie de cette génération de gens qui ont eu la PlayStation 2 et qui l'ont plutôt bien vécu, notamment avec Rayman Revolution. Et donc la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu le portage 3DS, c'était « Oh, trop bien, il y a Rayman Revolution, super !» Et après l'avoir testé, bon, j'avais l'impression qu'il manquait des choses. Et pour le coup, j'ai retesté le jeu original Rayman Revolution. Et effectivement, alors il manque pas mal de features en fait, donc on a plus l'impression qu'il a été adapté depuis le Rayman 2 qui était sur PS1. Parce que Rayman Revolution était en fait un remake de la PS1, un petit peu boosté de la version PS1. Avec pas mal de choses en plus et des graphismes améliorés. Et pour le coup, il manque pas mal de choses comme ça, donc ça c'est ennuyeux. Donc après, le jeu était simplifié en fait, je crois qu'il y a une boutique par exemple qui a disparu. Le jeu en plus était simplifié, c'est-à-dire que normalement, on ramasse des espèces de pièces d'or, mais des looms en fait, ça s'appelle dans le jeu. Et on se sert de ces looms pour acheter des améliorations pour ses armes. Donc tout ce qui est cadence de tir, puissance, rebond, etc. Et ces choses sont déjà de base sur Rayman dans la version 3DS. D'accord. Donc ça rend le jeu plus facile. En plus, il y a beaucoup moins de combats avec les pirates. Ok. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pirates à la fois, mais par contre, quand il y en a, ils sont un peu plus rudes, ils ont plus de vie. Il y a des phases de plateforme qui ont carrément été virées. Ok. Donc ça aussi, c'est assez bizarre. En revanche, pour tout ce qui est graphisme, il y a plus de papillons et plus de... Alors, ils ont rajouté, pour l'effet 3D relief, justement, des papillons. Donc, du coup, on a des papillons qui sortent quasiment de l'écran, etc. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Et les effets de lumière ont également été plus travaillés pour cette version 3DS. Et la caméra a été améliorée. Sachant que, bon, la caméra a été améliorée, mais c'est toujours pas ça. Clairement, on attend en plateforme un Mario qui permettra de faire un petit peu, genre, le jeu démonstration, le jeu étalon à ce niveau-là. La 3D relief, du coup, est-ce que toi, tu as fini par la couper ? Ça te plaisait ? Alors, apporte quelque chose ? Personnellement, la 3D relief, ça marche pas. C'est-à-dire que tout ce que je vois à l'écran quand je mets la 3D, quel que soit le niveau, c'est que ça floute. Et donc, ça rend le jeu pénible. Et donc, je finis par la virer parce que ça... Donc, tu fais partie des gens, en fait, qui voient mal la 3D, malheureusement. Pour l'instant, et sur la 3DS, sur ce jeu-là, je vois mal la 3D. Après, je sais pas. Faudra voir peut-être avec d'autres jeux. Alors, même en 2D, graphiquement, ça marche ? C'est légèrement amélioré, justement. Donc, comme tu disais, il y a plus de papillons et trucs comme ça pour travailler l'effet 3D. Mais comme je mets pas la 3D, ça me fait juste des trucs bizarres à l'écran qui se mettent au premier plan et qui me regardent droit dans les yeux. Et bon, c'est pas grave, on passe. Et pour le coup, par contre, il y a des graphismes et des textures qui ont été enlevées par rapport à la version PlayStation 2. Et ça, quand on s'en rend pas compte quand on n'y a pas joué depuis longtemps et qu'on joue à la version 3DS. Mais quand on rejoue à la version PS2, c'est cette zone-là était beaucoup moins travaillée graphiquement que... Est-ce que toi, tu conseillerais aux gens qui aiment Rayman ? Alors, pour le coup, si vraiment vous êtes un gros fan de Rayman et que vous avez plus de PlayStation 2 et que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, achetez la 3DS avec ce jeu. Mais... vous attendez pas à ce que ça soit aussi bien que le Rayman Revolution sur PS2. C'est clairement autre chose, c'est bien moins cool, c'est bien moins fait, c'est mal adapté, il y a des bugs,
des bugs de mode. Et des freezes. Il y a pas mal de petits. Le jeu il rame par moment quand il y a trop de choses à la fois à l'écran. Il y a même parfois des bugs de gameplay qui vous obligent à vous suicider pour pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Parce qu'il y a juste un mécanisme qui se déclenche mal. Donc bon, pour le coup, si vous voulez repasser un moment sur Rayman Revolution, débrouillez-vous pour rejouer au vrai Rayman Revolution et éviter cette version 3DS. Ouais. Mais je crois que t'as bien résumé le truc. Ouais. Donc maintenant, on va passer à un autre jeu avec MEDOK cette fois-ci, et il s'agit donc du quatrième titre Ubi disponible au lancement de la 3DS, et pour le coup, c'est pas un remake, quoi, c'est un jeu original, donc ça c'est cool. On va maintenant parler de Ghost Recon Shadow Wars, qui se distingue alors, sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'il s'agit du seul titre complètement original disponible au lancement de la 3DS. On a également Lego Star Wars 3, mais c'est un titre qui sort sur... c'est un multiplateforme, alors que celui-là, donc, c'est une exclu 3DS, ouais. Et c'est un tactical. Et donc on est avec le spécialiste du RPG, MEDOK. T'as eu l'occasion de l'essayer un petit peu. Moi j'ai énormément joué, mais c'est toi le spécialiste. Quel est ton premier ressenti par rapport au jeu? C'est bien. C'est agréable d'avoir un tactique sur 3DS, tout ça. Simplement c'est dommage parce que moi je le trouve pas assez profond. Donc c'est bien, tu fais la bagarre, c'est du tour par tour. T'as des cases, tout ça, t'as tes compétences, une fois que t'as augmenté toute ta barre, là, tu peux faire ton attaque spéciale. C'est agréable, mais ça manque complètement de profondeur, et c'est étonnant et dommage, parce que Julian Golob, qui a participé à Ghost Recon, voilà, il était à la base des UFO, XCOM, Terror from the Deep, tout ça, des jeux dans lesquels, des tactics dans lesquels il y avait de la profondeur. Je sais pas si tu te souviens, tu te contentais pas simplement de faire la bagarre, t'arrivais, tu pouvais ramasser les cadavres d'aliens, ramasser leurs armes, faire des recherches dessus par la suite. Tu vois, il y avait quelque chose en plus que simplement le tactics, je déplace, je tire. Là, malheureusement, on retrouve pas ça. Et puis aussi, d'un point de vue réalisation, il t'éclate pas la gueule, ce Ghost Recon. Pour le coup, il y a un truc que je trouve sympa, il y a plein de jeux sur 3DS, comme les Palette Wings Resort, les Lego Star Wars 3, etc., qui fatiguent tes yeux. Là, avec le côté vu de dessus, ou légèrement comme ça, de trois quarts, ça va. T'as une petite notion de profondeur. C'est un des rares jeux, j'ai joué une vingtaine d'heures, et j'ai joué quasiment qu'en 3D, parce que ça fatiguait pas trop. Ensuite, l'apport, il est évidemment extrêmement limité, mais ça reste quand même très joli pour un jeu 3DS. Et moi, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est super efficace. Donc clairement, j'ai joué énormément, j'ai déjà raté ma station de métro en y jouant, etc. Par contre, c'est trop facile pour un tactical. Donc même en jouant, au début j'ai joué au mode intermédiaire, ensuite je suis passé au mode genre vraiment difficile, et finalement il n'y avait pas tant de différence que ça. Et comme tu le dis, ça manque de profondeur, donc c'est carré. C'est bien foutu, genre ça marche, mais on en voulait plus. Ouais. On voulait genre être surpris, on voulait par exemple des feuilles de statistiques, on voulait des objectifs secondaires qui nous récompensent de quelque manière que ce soit, en montrant qu'on a fait mieux que ce qu'on était censé faire. Donc là, il y a un petit côté genre, une fois qu'on a fini une mission, on va pas la refaire, il y a aucun intérêt pour la refaire. Ouais, donc là, c'est vraiment dommage. Et donc du coup, je pense qu'une fois, il y a une bonne durée de vie quand même, l'un de rien, je crois que c'est à peu près 30 heures, mais une fois qu'il est terminé, il est terminé, quoi. C'est pas un jeu sur lequel on va revenir. Et ça manque réellement d'un truc. Donc c'est dommage parce que le mec derrière, c'était un bon, quoi. C'était un super bon. Du coup, ceux qui veulent du tactics avec cette ambiance, c'est-à-dire flingue, ils ont qu'à retourner sur du XCOM ou du Jack d'Aliens à l'époque, qui était aussi sympa comme tout. Voilà. Ah voilà, bon, c'est terminé pour les jeux Ubisoft. On va passer maintenant à un autre éditeur. On va enchaîner maintenant avec trois autres jeux chez trois éditeurs différents. On va commencer par PS3D chez Konami, donc qui fait le boulot. Le jeu fonctionne bien, la 3D est agréable, genre le gameplay est là. Donc ensuite, on n'a pas de online, il y a des temps de chargement qui sont assez lourds, et au final, clairement, quoi, il vaut mieux, pour le coup, y jouer sur une console de salon. Donc c'est vraiment pour les fans hardcore de PES, efficace, mais franchement, c'est pas un jeu qui va faire acheter une 3DS pour moi. On va enchaîner avec Ridge Racer 3D, qui pour le coup, lui, est vraiment intéressant. On avait parlé d'Asphalt 3D, il est nettement meilleur, c'est une bonne adaptation. On retrouve vraiment les sensations de Ridge, le gameplay, il y a plein de véhicules à débloquer, le jeu est très riche, mais il manque la dimension un petit peu
jeu complet à la Street Fighter. C'est pas le jeu démo de la 3DS. Il manque quelques petites choses ici et là, comme un mode online, une nouvelle fois. Mais ça reste quand même aujourd'hui, alors qu'il est, en attendant Mario Kart, le meilleur jeu de course sur 3DS. On va maintenant passer à Lego Star Wars 3, qui est disponible sur toutes les plateformes. La version DS, la version 3DS est clairement l'une des moins bonnes, pour une raison très simple, c'est que solo. Alors que les Lego, clairement, ça joue à deux en coop, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Et donc, même s'il est bien foutu, même si pour le coup, la durée de vie est assez énorme, il y a 1 milliard de trucs à débloquer dans le jeu, les environnements sont bien foutus, ça rame de temps en temps. Donc vraiment, il y a des phases de jeu où lorsque le décor est bien, bien fouillé, il y a plein d'ennemis, là, le jeu en peut plus. Ensuite, ça reste très joli. La 3D est bien exploitée, mais fatigue les yeux. Mais bof. Franchement, je le conseille pas. On va maintenant passer à un autre jeu chez Sega cette fois-ci, et on sera en compagnie de Gabriel pour en parler. On va maintenant parler de Super Monkey Ball 3D, donc le seul jeu Sega disponible au lancement de la 3DS. Donc je suis avec Gabriel qui fait un stage en ce moment à No Life. T'es un fan de la série des Monkey Ball. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton ressenti, genre après avoir essayé pas mal la version 3DS? Bah alors j'avais pas mal joué sur GameCube. Ouais. C'était vraiment un jeu super hardcore, c'était extrêmement bon. Ouais. La version 3DS, c'est un peu du 3 en 1. Ouais. On a la version classique, mm-hmm. qui est le Monkey Ball que tout le monde connaît. On a un autre singe dans la boule, ouais. qui ramasse des bananes. Ouais. On a aussi deux autres jeux avec ça, un clone de Mario Kart ouais. et un clone de Super Smash Bros. Okay. Le clone de Mario Kart est plutôt cool, mm-hmm. enfin ça reste sympa mais c'est pas très poussé. C'est correct, genre c'est correct. Bof quoi. Ouais. C'est correct mais pas plus, ouais. enfin là il n'y a pas de Mario Kart, ouais. donc si les gens achètent ils vont s'amuser avec. Ouais. Mais quand le Mario Kart sortira, il ne faut pas se faire d'illusions, plus personne y touchera. Et le Super Smash Bros, comment dire c'est une horreur. C'est vraiment du foutage de gueule. Il y a les bons jeux, ouais. il y a les mauvais jeux, et il y a ce mode-là. Il y a ce mode-là. Alors qu'en est-il de la 3D relief? Parce que bon, il y a un truc quand même, c'est le jeu qui a fait pas mal parler de lui, tout simplement parce qu'il utilise à la fois donc la 3D évidemment, mais également le gyroscope. Ouais. Donc du coup, évidemment, premier truc, genre si tu joues avec la 3D, tu peux pas jouer avec le gyroscope, parce que sinon, c'est obligé à faire ça, et clairement, on est super malade très rapidement, sachant que la 3D est vraiment fatigante, avec le petit singe dans sa boule, lorsqu'il chope les bananes nous arrivent en plein visage comme ça, donc très rapidement, genre, on repasse en 2D, et ensuite, si on joue en 3D avec le petit stick analogique, t'en penses quoi de ce gameplay-là? C'est pas adapté à ce genre de jeu, tout simplement, parce que les Monkey Ball, faut vraiment savoir se repérer dans l'espace. Et la façon dont ils ont fait la 3D, c'est, je sais pas trop comment ils ont fait, mais on n'arrive pas à se repérer. D'accord. Faut mieux rester avec le stick, avec sans 3D, jouer la façon classique, et c'est un peu dommage vu qu'on est sur 3DS. Et donc du coup, en termes de contenu, évidemment, c'est nettement plus limité que la version GameCube, c'est par exemple. C'est très limité, t'as 70 niveaux, ouais. Assez simple, enfin ouais. beaucoup plus simple que sur GameCube en tout cas. D'accord. Après, tu peux faire du scoring, bien sûr, mais c'est beaucoup plus limité que sur la précédente version. En gros, s'il faut jouer en 2D avec le stick et que le jeu est plus limité, genre avec des modes genre tout pourri ou moyen, autant ressortir la version GameCube. Donc là, pour le coup, une grosse déception. On va maintenant enchaîner avec les tout derniers jeux disponibles sur 3DS, tout de suite. On termine ce petit tour d'horizon de tous les jeux disponibles sur 3DS au lancement, aujourd'hui le vendredi 25 mars, avec les Sims 3. Celui-là, on va pas en parler, tout simplement parce que je pense que ça intéresse pas grand monde sur No Life. Bon, vous me le confirmerez ou non, mais en tout cas, il y a plein de sites internet qui en parlent, donc si ça vous intéresse, allez checker ailleurs. Ensuite, on a également Samurai Warriors Chronicles. Alors celui-là, on l'a pas reçu à la rédac, donc on pourra pas en parler, mais a priori, vu les premiers retours de la presse et de la critique, c'est très mitigé. Et on a ensuite Super Street Fighter 4 3D Edition, qui est vraiment le blockbuster de cette sortie. C'est un jeu, c'est pas pour rien si le titre est distribué par Nintendo. Il est ultra complet. Donc ensuite, genre, évidemment, il y a des petits soucis qui apparaissent immédiatement. Pour les gens qui n'aiment pas jouer au stick, la croix directionnelle est un peu basse sur la console. Donc ça oblige de tenir la console d'une manière genre, qui n'est pas spécialement agréable. Ensuite, genre, il y a tout. Il y a du street pass, il y a du online, il y a des échanges, donc des combats de figurines. On a la possibilité également de filer une démo genre à quelqu'un qui possède une 3DS. On peut enclencher des combats avec des gens qui n'ont pas le jeu. Il y a vraiment 1 milliard d'options et toutes ces options exploitent
exploite au mieux genre le potentiel de la 3DS. Donc du coup, c'est vraiment la vitrine technologique et vraiment, c'est surprenant parce que c'est pas un jeu Nintendo. Donc il y a pas mal de critiques qu'on a faites sur Pilot Wings Resort ou sur Nintendo Split 4, qui est simplement une évolution. Là, pour le coup, si vous êtes fan de Street, c'est vraiment, vraiment très complet et c'est le jeu à posséder. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Maintenant, on va rejoindre Médoc à nouveau, qui est parti faire le tour des boutiques pour recueillir vos premières impressions sur la 3DS pour les gens qui l'achètent là aujourd'hui, le 25 mars. On est le 25, le jour de la sortie de la 3DS. Du coup, je suis venu dans un quartier plutôt spécial, bien connu des gamers parisiens et des banlieusards, c'est Voltaire. Je suis venu ici simplement pour prendre la température, pour voir si la 3DS a été bien accueillie ou si ça a été plutôt timide. On va voir ça tout de suite. En France, ça a très bien démarré. En grande surface, qu'on fait des opérations de malades dans les micromanias, les chaînes spécialisées. Nous, ça a été un petit peu sur le boulevard, c'est un peu particulier. Ça a fonctionné. Ça se vend tous les jours un petit peu. Il n'y a pas eu de rush comme la Wii sur une journée spécifique et plus de stock du tout. Ça s'est vraiment décortiqué sur plusieurs jours en fait. Bon, aujourd'hui, j'ai un client qui m'a pris 4 3DS avec 2 jeux pour chaque DS et accessoires. Donc le prix n'est pas donné, c'est 250€ la console seule. Donc faut autant laisser les gens un peu digérer ce prix-là. Est-ce que tu peux nous dire quel coloris est le mieux parti ? La bleue de très loin. Ah oui, la bleue de très très loin ici. Comment t'expliques ça ? La noire, ça fait trop commun. La bleue, c'est un joli bleu pailleté, ça a beaucoup plu. Ouais. Et au niveau des titres, qu'est-ce qui parle le plus ? Alors, la priorité, c'est Street Fighter 4, 3D édition. Street, c'était le gros titre. Pilot Wings, le jeu Nintendo. À l'autre prisme du jeu, on a Nintendox en fait. C'est vraiment le hyper gamer que Street Fighter 4, le jeu hyper casual Nintendox. Donc si c'est la console bleue turquoise, c'est plutôt Nintendox, et ici la console noire, c'est plutôt Street Fighter. Ouais, c'est vraiment les deux gros titres. Le Samurai la grosse surprise. Samurai Chronicle, ouais. Parce que le jeu est très très bien. Est-ce que les gens, quand ils viennent ici, ils te revendent leur ancienne DS pour se procurer la 3DS ? Beaucoup, ouais. Beaucoup. Dû à la rétrocompatibilité, il y a beaucoup de gens qui vendent leur ancienne console et qui profitent. Ça fait les deux. J'ai pas beaucoup d'occasions qui sont rentrées suite à la sortie de la 3DS, d'une part. Et donc on continue, d'autre part, effectivement, à vendre, parce que le budget n'est pas le même, de la DS d'occasion à 70€, de l'intermédiaire 9i, la XL, qui, encore une fois, c'est pas la même clientèle. Non, ça continue à. Ça existe en parallèle, en fait, tout ça. Là, la 3DS, je veux dire, elle est zonée. Oui. Est-ce que ça va poser un problème ? Est-ce qu'à terme, vous allez peut-être réfléchir à vous fournir en 3DS japonaise s'il y a de l'exclu Naruto ou Bleach qui sort dessus ? Ouais, c'est comme d'habitude, les gens vont vouloir le Naruto. Normalement, le Naruto aurait dû sortir la semaine prochaine, mais bon, c'est reporté avec ce qui se passe au Japon. Mais déjà, beaucoup de demandes sur le Naruto, beaucoup de demandes sur le One Piece, beaucoup de demandes sur le Gundam qui vient de sortir. Voilà, maintenant les gens vont vouloir les jeux import, donc forcément la console japonaise également avec. L'import, depuis 5 ans, c'est 80% des jeux, voire 90% des jeux qui sortent en France. Ils mettent du temps à sortir, mais on n'est plus dans la mécanique d'il y a une vingtaine d'années, 15 années, où il fallait se batailler avec ses billets de 500 francs pour acheter ses jeux Super Nintendo ou Super Famicom. Donc, s'il y a effectivement l'offre totale, quasi totale en France, qu'elle soit zonée, c'est pas gênant. En revanche, effectivement, s'ils commencent à sortir des jeux exclusifs, des Naruto, du Dragon Ball Z, du Bleach, du Death Note, exclusifs au Japon, on va falloir se mettre à faire de la console japonaise. Je vois que tu regardes la 3DS, qu'est-ce qui te marque ? Qu'est-ce qui t'attire vers cette console-là ? J'ai vu ton regard. En fait, il y a la notion de 3D. Je voudrais bien savoir ce que c'est en fait dans les jeux vidéo. Ouais. Donc, et comme j'ai aussi la DS et que j'ai bien aimé cette console et que cette console est rétro-compatible, ça me permettrait de jouer à des jeux DS et de voir les nouveautés justement sur cette console. Pour toi, c'est l'atout principal de cette console, c'est son aspect 3D ? Non, c'est aussi le fait que c'est une console portable. Puissante et moi j'ai pas trop le temps de jouer à des jeux de console de salon en fait parce que je travaille et ça me permet de jouer au bureau tranquillement pendant l'heure de pause. T'es un joueur, n'est-ce pas ? Ok. Occasionnel, oui. Voilà, j'ai envie que tu me parles de la 3DS. Le but quand j'achète une console comme ça, c'est tout de suite de voir à quoi va ressembler le jeu, c'est tout. Et d'un point de vue technique, tu en parlais, ça serait plus effectivement le passage de la 2D à la 3D. Mm-hmm. Voilà.
Comment est-ce qu'on est le plus à l'aise dans ces cas-là? Et pour quel type de jeu? Parce que la 3D ne s'impose pas nécessairement pour tous les jeux, c'est tout. Maintenant, le Street Fighter, je trouve que c'est pas indispensable d'y jouer en 3D. Samurai Chronicles, on perd quand même beaucoup, je trouve, si on n'y joue pas en 3D. C'est un univers qui est très particulier, l'univers des samouraïs. Le Resident Evil, quand il sortira, moi je demande à voir ce que ça vaut en 3D. Mais on peut choisir, et c'est ça qui est bien, voilà. J'étais un peu réticent au départ, sur un jeu comme PES où on a vite mal aux yeux. Finalement, sur le Street Fighter notamment, ou même le Nintendo, c'est super agréable. On peut moduler cette 3D hein, pour qu'elle agresse pas les yeux, si on a un souci par exemple de myopie ou autre. Et c'est plutôt pas mal. Et même en déverrouillant la 3D, en l'éteignant finalement, en la désactivant, on a quand même des jeux qui sont de qualité équivalente à la PSP, voire un peu au-dessus. Donc on a quand même de très beaux jeux sur une toute petite portable. Donc ça reste intéressant, même sans forcément parler de 3D. Et ben voilà, c'était Médoc sur le boulevard Voltaire concernant la sortie de la 3DS. Maintenant Alex, monte ça vite parce que ça passe dans 3 heures. Après avoir vu Médoc au pays de la 3DS, on va maintenant passer à la dernière rubrique de cette émission avec la rubrique animée. On aura Hero Tales 2 en manga et également l'animé Flag. C'est tout de suite. Plus j'y repense, plus j'ai l'impression que c'est arrivé hier. À moins que ce soit il y a une éternité. Ce qui est sûr, c'est que jamais je ne pourrai l'oublier. Flag est une série totalement atypique. 13 épisodes ont d'abord été produits pour le web et diffusés sur la plateforme japonaise Bandai Channel. En février 2009, la série est remontée en un long métrage d'environ 1h40. Même si pendant longtemps on a cru que ce serait la série qui sortirait en premier, c'est cette version remontée qui déboule enfin chez nous. Dans un futur proche, une guerre civile éclate en Odiyana, petit pays du Moyen-Orient présentant des similitudes avec le Tibet. Une jeune photographe japonaise, Shirasu Saeko, accède à la célébrité en prenant la photo symbole du conflit. Des rebelles se battant pour la paix, brandissant un drapeau. Le précieux morceau de tissu devient alors un symbole, mieux, une valeur de paix indispensable pour mettre fin à la guerre. Quand ce drapeau est volé par des extrémistes, l'ONU décide de former une équipe spéciale pour le récupérer. Les Nations Unies demandent également à Saeko, celle qui a rendu le drapeau célèbre, de suivre cette équipe dans leur mission très particulière. Sûrement doté d'un budget restreint, Flag tire son originalité de son procédé de mise en scène. L'histoire nous est entièrement racontée à travers l'œil de la caméra. Les interfaces des caméras et les viseurs des appareils photo sont souvent présents pour rappeler aux spectateurs qu'ils regardent à travers un objectif. Évidemment, Cloverfield et Rex sont passés par là pour le cinéma en prise de vue réelle. Mais si le procédé est le même, Flag, pour sa part, est souvent plus contemplatif. Le côté caméra porté à l'épaule qui tremble et perd la mise au point donne un côté réaliste intéressant, mais la surenchère du procédé peut rapidement lasser. Et le format long métrage n'arrange rien ici à la sensation de répétition. De plus, l'accumulation des mêmes scènes, comme le démarrage et l'extinction des interfaces, fait parfois réutilisation un peu cheap. La 3D, notamment pour les mechas, se révèle elle aussi faiblarde en général, preuve du peu de moyens dont la série a dû bénéficier. La voix de Saeko est assurée en VO par Tanaka Lena, la comédienne vue dans les films live de Gegege no Kitaro par exemple, pas l'idol. Si le cast japonais est très bien dans son rôle, la narration omniprésente rend l'adaptation en sous-titres assez verbeuse. Il sera sans doute plus agréable pour une fois de passer par la VF pour se laisser porter par l'histoire. Même si elle n'est pas transcendante, elle reste tout à fait correcte, avec notamment Marie Dio dans le rôle de Saeko. Le ton journalistique, moins déstabilisant et moins riche en rupture que des animés plus shonen, est ici bien rendu. Niveau bonus, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Seules quelques ventes annonces de l'éditeur se battent en duel. Au final, Flag est un titre qui frise l'expérimental. Certes, il n'est pas exempt de défauts, mais a au moins le mérite d'innover. Les curieux qui cherchent de nouveaux horizons dans la Japanime se laisseront sans doute tenter. Thank you.
Selon la légende de l'étoile du Nord, sept héros divins, les sept étoiles septentrionales, décideront du sort de la Terre. Les deux plus puissantes, les étoiles de Tonro et Hagun, sont vouées à se livrer une bataille qui dévastera le monde. La mission des cinq autres est d'empêcher cet apocalypse. Dans ce contexte, un jeune et impétueux moine guerrier du nom de Taito mène une vie paisible dans son petit village. Mais le jour où un envoyé impérial va voler l'épée sacrée de son maître, il partira à l'aventure pour la récupérer. Durant son périple, il découvrira qu'il est en fait l'incarnation de Hagun et que son destin sera notamment de retrouver les autres étoiles. Inspiré d'un roman chinois, Hero's Tale est un manga en 5 tomes, publié au Japon par Square Enix entre 2007 et 2010. Il a été illustré par une des dessinatrices phares de la maison d'édition, à savoir Harakawa Hiromu, la génitrice de Fullmetal Alchemist. Ceux qui ont suivi les aventures des frères Elric reconnaîtront à n'en pas douter la ligne claire de l'auteur. Après tout, celle-ci avait déjà montré dans FMA son intérêt pour les chorégraphies martiales, ainsi que pour la Chine féodale avec le royaume de Chine. Bien plus basique que l'œuvre précédemment citée, Hero's Tale constitue un shonen d'aventure conventionnelle, matiné d'un peu de wuxia, ou récit de cap et d'épée à la chinoise. La narration étant calquée sur celle d'un livre et se limitant à seulement 5 volumes, elle brille par sa cohérence tout en souffrant d'un côté expéditif. Léger et sans prétention, le manga Hero's Tale ne surprend donc jamais vraiment, mais sa lecture n'en est pas moins agréable. Alors maintenant, pour conclure un petit peu sur le line-up de cette 3DS, on est évidemment déçu. Beaucoup trop de conversions, très peu de titres originaux. Et donc là, on attendait vraiment davantage de la part essentiellement de Nintendo, qui avec Pilotwings Resort nous offre un jeu qui est plus un jeu démo assez incomplet. On a Super Street Fighter 4 3D Edition qui est excellent, mais qui a des petits soucis comme la plupart des autres jeux. Par exemple, des temps de chargement qui sont beaucoup trop longs. Donc c'est vrai que le côté instinctif, genre on fait un combat, on enchaîne, on fait un autre combat, etc. Là, on attend un petit peu quand même entre chaque confrontation. Il y a des petits soucis qui apparaissent également avec la 3D relief qui fatigue beaucoup sur pas mal de jeux. On a également l'emplacement du stylet qui est perturbant, par exemple dans un Lego Star Wars 3, des mini-jeux timés nécessitent l'utilisation du stylet, donc on est là à chercher derrière la console le stylet vite, et c'est trop tard. Donc ce genre de petites choses qui est problématique. Ensuite, il y a pas mal de trucs intéressants, par exemple les logiciels préinstallés sur la console, comme la guerre des têtes, qui fait beaucoup rire l'ensemble de la rédaction. On a également en fait la possibilité d'accueillir des mi, d'échanger des informations avec eux, de faire des mini-RPG avec ses mi croisés, genre un peu partout dans la rue ou des collègues. Donc il y a pas mal de choses réellement intéressantes. Ensuite, on ne conseille pas spécialement d'acheter la 3DS maintenant, faute de jeux qui valent vraiment le coup. Elle souffre d'une offre suffisamment variée et solide. Donc du coup, attendez peut-être un petit peu, mais si vous décidez de l'acheter aujourd'hui parce que vous achetez systématiquement les consoles lorsqu'elles arrivent, ou parce que vous êtes un gros fan de DS, et clairement avec la 3DS, on a tout le line-up de jeux DS accessibles. Moi par exemple, je joue énormément à Dragon Quest VI sur 3DS en ce moment. Donc bon, une bonne console avec beaucoup de potentiel, mais on s'attendait à plus de titres quand même au lancement. Voilà. On va conclure maintenant en vous annonçant une petite surprise. On aura une nouvelle rubrique dans le prochain 101% du vendredi, qui sera une rubrique appelée Game Center, consacrée à l'arcade, et qui viendra se greffer genre une semaine sur deux avec Compiler, et qui remplace ce soir Jared. Donc une émission qui nous est préparée par Adrien et par Alex. Donc voilà, merci de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon et qu'il était suffisamment complet pour vous donner une bonne idée de ce qu'il faut ou non acheter. Mais en tout cas, on se retrouve très bientôt, de toute façon pour les critiques 100%, classé 18+, etc. Ciao.